jolies fleurs! De jolies fleurs maison! Qui veut des fleurs? Jolies fleurs! Quelqu'un veut des fleurs? Des fleurs maison! Qui en veut? Jolies fleurs! Pauvre Dahlia! Depuis que les poneys terrestres ont de la magie, plus personne ne veut lui acheter ses fleurs maintenant. Unique au monde! Vous ne les trouverez nulle part ailleurs! Parfaite pour une occasion spéciale? C'est trop dur à regarder, je n'en supporterai pas plus! Il doit bien y avoir un moyen de l'aider! Hey Dahlia! Bonjour Sunny! Oh, désolée, j'ai encore besoin de m'entraîner avec mes capacités d'alicorne! Ce n'est pas grave, pas de quoi s'inquiéter! Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Il est temps de commencer à cultiver tes fleurs avec de la magie. De la magie? Oh non, je n'ai pas de magie en moi. Bien sûr que tu en as. Tous les poneys ont de la magie en eux. Regarde. Rien, Sunny. La vérité, c'est que mon commerce de fleurs est fichu. Ne dis pas ça, Dahlia. Tout ce que tu as à faire, c'est de croire en toi-même. Sens la magie qui est en toi. Pense à quelque chose qui te rend heureuse. Je n'aimerais rien de plus qu'une grande et magnifique fleur rouge. Le faire. Essaye encore. J'ai de la magie. And things are getting tough, but it's not time to give up yet. Haven't I done enough? I thought I had the magic, but I look like a phony. Have you ever felt like, yeah, felt like every pony is looking? Yeah, they're looking at you, they're whispering, they're pointing their hooves. You tried your best, so don't worry, you'll solve this problem, yeah, you'll see. Because you've got sparkle in you, and it will shine your way right through. I'd rather hide so they can't see, because they're looking at me. Et maintenant, des nouvelles de la baie des juments où la fièvre du poney se propage à grands pas. Rejoignons Dazzle qui est sur les lieux. Dazzle? Merci, Sky. Comme vous pouvez le voir, cette épidémie de fièvre du poney cause beaucoup de problèmes aux habitants de la ville. Achou! On n'avait jamais connu ça. Achou! Baie des juments, si Dahlia n'avait pas fait pousser, c'est achou! Fleurs géantes, rien de tout ça ne serait arrivé. Il est clair que le chaos magique d'un seul poney a mis la baie des juments en proie à la pagaille. Ou devrais-je dire, aux éternuements. Je rends l'eau. Achou! Oh non, je n'ai fait qu'empirer les choses. Achou! Moi ça me va, j'aime bien éternuer. C'est comme une surprise de mon museau coquin. Achou! Vous voyez? Encore une surprise. Il faut que j'arrange les choses. Oh, que veux-tu encore? Tu ne crois pas que ça suffit comme ça? Achou! Je suis vraie. Achou! Désolée. Achou! Je voulais juste Achou! Essayer. Achou! T'aider. Je pense qu'il y a un moyen pour que tous les poneys oublient ce cauchemar de fièvre du poney. Continue d'éternuer, Dahlia. Alors ça, je peux le faire. Et voilà pour toi, toi, l'accessoire parfait pour tout poney au style très branché. Poney branché? Oh, tu parles de moi? Oui, et n'oubliez pas les petits rubis. Vous aussi, vous pouvez avoir votre collier très branché au magasin Tendance de la Baie des Juments, le stand de fleurs de Dahlia. J'en hennis de joie. Mouah.
J'adore les fins heureuses. Tu as explosé dans un nuage de... Paillettes! 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 Oh, est-ce que vous savez quelle heure il est? Hein? Quoi? Toutes ces paillettes ont séché sur ma crinière! Désolée tout le monde, ma magie d'alicorne n'en fait qu'à sa tête, vous voyez? Je ne peux plus la contrôler. Peut-être qu'il te faut un mot magique, quelque chose qui t'aide à faire sortir ton alicorne intérieur. Oh, pourquoi pas une phrase comme « Envole-toi » ou « Vol, vol, oh, 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 je sais, alicorne, vas-y !» Alicorne, vas-y. Il faudrait encore l'améliorer. J'ai bien peur que tu n'ailles pas très loin avec ce genre d'aile. Oh, Izzy a raison, je ne pourrais être d'aucun secours comme ça. Ne t'en fais pas, Sunny. Tout ce qu'il te faut, c'est un nouveau look. Un relooking digne d'une alicorne. On va avoir besoin de dégradés, de reflets, de paillettes, de vernis pour sabots, d'un masque de boucle. Alors tu veux dire? C'est exact, la totale. Tralalali, c'est qui? Voici Ruby, son nouveau stylet sorti. Venez entrer et puis admirez ses couleurs stylées et ce look rêvé. Cahier, les sabots limés, le poil brossé, la crinière soyeuse et démêlée. C'est bien rythmé, c'est bien rythmé. Qui peut rester assis quand c'est si cadencé? Et voilà! Je suis pas sûre que c'est ce qu'on voulait. Waouh, Ruby, tu es douée! Je suis la suivante! Et regarde le bon côté des choses. Au moins maintenant, ta crinière cache tes petites ailes. Non, non, non. Ce n'est pas une question de crinière. Ça concerne l'inspiration. Et je ne connais rien qui puisse inspirer autant qu'un petit peu de... danger. Un peu de danger va totalement déclencher tes capacités d'alicorne. Zip, je suis pas convaincue. Qu'est-ce qu'on regarde, là? Tu es sûre? Ça a l'air... chouette! Impossible! Tu t'en sortiras très bien. Attends, il faut dégager cette crinière de ton visage. Voilà, c'est beaucoup... Ça ira. À vos marques! Prêt? Partez! Zip, tu es irresponsable! Regarde, c'est une meilleure alicorne maintenant! Ah, je suis sûre qu'il faut d'autres mots de transformation. Pourquoi pas sabot crantastique super canter logique extra! Une nouvelle tenue d'alicorne ferait l'affaire! Peut-être quelques accessoires supplémentaires... Peut-être que je devrais ajouter du feu sur le parcours! Sunny, qu'est-ce que tu en penses? C'était vraiment un désastre complet. Je pensais bien te trouver ici. Ruby m'a raconté tout ce qui s'est passé. Est-ce que ça va? Tous les autres poneys semblent grandir tellement vite. C'est comme si j'étais bloquée. Tu as aidé tous les autres à croire en la magie. Maintenant, c'est à toi de croire en ta propre magie, Sunny. Ici. Merci, Hitch. Si seulement c'était aussi simple que ça. Oh non! Les poulains! Allez, Sunny, tu peux le faire! Les poulains ont besoin de toi!
Maintenant, j'aimerais juste trouver comment éviter les paillettes. Je savais que tu réussirais, Sunny! Bienvenue dans la maison de nos rêves! Tranquille, MacPin, sans rire. Oublie la maquette, nous allons rendre le vrai phare de cristal parfait. Maintenant, on va passer chaque minute de chaque jour ensemble pour le reste de nos vies. Quoi? Ça va être vraiment iconique. Et je vais apprendre à ce petit gars à construire une étagère. Tu sais, je suis plutôt du genre à droite mes sabots. Oups. Il y a beaucoup à faire, mais on peut tout réaliser si on travaille tous ensemble. Alors, je pense que si nous... Quel enthousiasme! J'adore ça! Attendez-moi, les amis! Bonjour, les petits rubis! Et bienvenue dans notre tutoriel de transformation extrême de maison! La couleur par ici, la couleur par là, et on aura vite fini. C'est joli tout ça! Car on sait qu'à plusieurs, la tâche est plus facile. Et quand chacun s'entraide, on devient tous plus habiles. Alors travaillons, il y a des choses à faire. On se démène ensemble, c'est loin de me déplaire. Alors travaillons, construisons nos rêves. Car quand nous travaillons ensemble, il n'y a rien, rien qui nous arrête. C'est bon ça! Franchement, ce ton est parfait, ouais. Ouais, mes mesures sont claires et précises. Ok. Bon, on aura vite fini. Cette demeure sera vraiment exquise. Chaque poney porte en lui une part de magie. Et quand j'ai besoin d'aide, je peux compter sur mes amis. Alors cette toile vierge est en train de recevoir un traitement royal. De grands rêves pour une si petite maison. Hey. Il en faut encore. Je suis multitâche. Pour du design, mise en valeur. On se démène ensemble, c'est loin de me déplaire. Un peu plus loin. Que dites-vous de mon rôle au majordome de petit déjeuner? Allez, tous, ma sculpture de glace est en train de fondre. Paillette, 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 paillette. C'est quand même joli, ça! Yes, paillette! Paillette! L'étagère n'est pas droite! Tous les amis! Non! Je n'arrive pas à comprendre. Je pensais que ce serait facile de travailler ensemble. Mais en réalité, c'est le désordre total. J'aimerais que tu sois là. Tu savais toujours comment faire sortir le meilleur de moi. Et en ce moment, j'ai vraiment besoin de faire le meilleur. Attends, peut-être que c'est ce que mes amis ont besoin que je fasse. Il faut que je réussisse à sortir le meilleur d'eux-mêmes. Ah ! Merci, papa. Écoutez-moi tous, arrêtez-vous! Alors, j'adore toute l'énergie que vous avez mise ici, mais on est censé travailler ensemble, pas chacun de notre côté. Et le résultat... est catastrophique. Oui, je n'osais pas vous le dire, mais... Je me sens complètement dépassée. Cette transformation est fichue! Rien n'est fichu, c'est un travail en cours. Allez les amis, on va y arriver. Tous ensemble! Alors travaillons, construisons nos rêves. Car quand nous travaillons ensemble, il n'y a rien, rien qui nous arrête. Travaillons, il y a tant de choses à faire. On se démène ensemble et c'est loin de me déplaire. Alors travaillons, construisons nos rêves. Car quand nous travaillons ensemble, il n'y a rien, rien qui nous arrête.
j'avais imaginé. Ne touche pas, MacPin sans rire. Préparez-vous pour la visite de la baie des jumeaux. J'adore les visites. Oh, je veux voir ça. Et puis ça aussi. Oh, et je veux voir. Quoi? L'obscurité totale. Izzy! Je croyais que tous les pièges étaient désactivés. Note à moi-même, vérifier les pièges à l'écorne. On a besoin de ton aide. Le bouton de déverrouillage ne marche pas. Alors comment on va le sortir de cette boîte? Je vais bien. Ce sera amusant. Je me suis jamais déguisée en boîte avant. Mais j'avais préparé une visite avec des étapes que vous auriez toutes adorées. Comment Izzy pourrait la faire dans une boîte? Oh, tu viens de me donner une idée. Oh, est-ce que je lévite? J'ai réussi. Est-ce que je suis une boîte en lévitation? Tout ça est ridicule. Tu ne verras rien du tout. Mais je peux utiliser mon imagination. J'annule la visite. Oh, hein? Mais attends, Itch, regarde. D'accord, très bien. Alors, suivez-moi. Notre visite commence avec la place de la ville de la baie des juments. Dernière étape, la plage. Je sais que t'aurais adoré, Izzy. Mais j'adore, Itch. C'est mon endroit préféré de la baie des juments. On regarde un parc-mètre, c'est bien ça? J'adore vraiment ces objets. Ça suffit! Il faut qu'on sorte Izzy de cette boîte! On n'arrivera jamais à ouvrir cette prison en forme de cube! Non, n'abandonne pas déjà, Itch! Il faut qu'on y réfléchisse, toi et moi, le poney et la boîte! Izzy! Izzy! Là, je sens que je vais me réveiller. Ma visite parfaite est fichue. Allons, allons, mon petit Itch. Raconte-moi ce qui t'arrive. Cette visite était censée vous montrer que la baie des juments est un endroit où il fait bon vivre. Itch, mission accomplie. On a tous adoré. Et c'est grâce à toi. Mais oui, c'est vrai. J'ai toujours rêvé de visiter le pont Nouvre. C'est vraiment un musée fantastique. Et le cours de vol en corde était génial. Je vais essayer de le perfectionner. Alors, vous aimez bien la baie des juments? On l'adore. Je me sens C'est la meilleure visite que j'ai faite. Vraiment. Tu vois, Itch, quand les choses ne se passent pas comme prévu, il faut juste être patient. La vie est une boîte à surprises. Une boîte à surprise ou une boîte de secours? De secours! Je suis de nouveau une licorne! On a passé des moments fabuleux. Pas vrai, petite boîte? Maintenant, je peux faire la visite! Allez, suis-moi et tu vas voir... Et un silence descend alors que Neptune s'apprête à faire son plongeon.
vraiment plonger dans cette compétition. Allez, allez, haut de Zéphyr. Oui. Je pense qu'un Pégase a un avantage déloyal dans une compétition de plongée. Bien bonjour, petit objet parfaitement rond. Plongeur suivant, la baie de Porponet peut l'emporter. Easy. Oh, ce cadeau pour la journée de la baie de Porponet pour Sunny ne sera jamais prêt à temps. J'ai pourtant tout essayé, et même le... Ah, oh, la douche a un problème. Easy. Oups, je vais filer, moi. Non, trop grand. Trop petit. Bien trop moelleux. Non, pas assez rond. Trop bien accroché au mur. Absolument parfait! Ah, Candy! Montre-moi ces superbes anneaux d'oreilles! Ah! Izzy, laisse-les, ils sont à moi! Ah! Juste un seul! Allez, Candy! C'est pour une très bonne cause! Ah! Ah! Jamais! C'est du plastique. Oh, oui, c'est ça. Attendez. Oh, dommage. Oh, je n'arriverai jamais à... Tu en seras stupéfait. Unicycle est ma tâche. Pour faire une table ou une moustache, moi ça me plaît les déchets. Fius, fie, hache, de ti. Faut pas le jeter. Fius, fie, hache, de ti. Une fois transformé. Woukou, woukou. C'est beau comme tout. Woukou. Moi je trouve ces déchets. Finir le cadeau de Sunny, je fouillerai, je chercherai. Avec goût, je vais tout transformer. Tout ce que les gens jettent, c'est de l'or, je sais, c'est bête. J'adore tellement tous ces déchets. Fius, fie, hache, de ti. Faut pas le jeter. Fius, fie, hache, de ti. Une fois transformé. Voilà enfin mon anneau parfait. Tada! Et en avant l'unicyclage. Ah, il y a encore quelque chose qui ne tourne pas rond. Oh, oh, je sais. Vu qu'il l'évite, mais Sunny va sûrement l'adorer. Est-il arrivé à mon sèche-crinière? On dirait qu'il manque tous les composants. Désolée, Ruby, je vais le réparer. Je reviens. Izzy, où est-ce que tu vas? Reviens, personne ne doit voir comme ça. Amis Lick, Amis Lock, Amis Fic, Amis Fac,
Ami-moi, amigo. Non, Izzy, on est mardi. Ah, et je suis en retard pour ouvrir le stand de smoothie. Oh, c'est pas vrai, la course contre la montre a déjà commencé. Le salon Mélodia ne peut ouvrir que si je suis présente. Non, c'est Jaldi. J-A-L-D-I. Le jour des amis licornes drôles et insolites. Une journée très spéciale pour toutes les licornes. Et leurs amis. Ah, Bridebois me manque. Les poneys terrestres et les pégases sont très gentils, bien sûr, mais ce serait chouette de pouvoir être l'ami d'une licorne. Alors, fais-toi un ami licorne! Je vais t'appeler Seigneur Caramel Aubert. Bonjour, Izzy. C'est moi, ton meilleur ami licorne. Hé, hey, Seigneur Caramel Aubert, est-ce que tu voudrais célébrer Jaldi avec moi? Que les festivités commencent. Ami-lic, ami-lac, ami-fic, ami-foc. Transformers, on roule. Autoponnet, transformation. S'il te plaît. Je le prépare tout de suite. Ah, est-ce que tu es sûre que tout va bien, Izzy? Qui est ton... qui c'est? Je te présente Seigneur Caramel au beurre. C'est mon nouvel ami licorne. Bonjour, Seigneur Caramel au beurre. Merci, Sunny. Joyeux jeudi. Je te l'ai déjà dit, on est mardi aujourd'hui, pas jeudi. Oh, J-A-L-D-I. Tu trouves pas que Izzy se comporte bizarrement aujourd'hui? Oui, en volant, j'ai cru la voir avec un énorme tas de déchets en forme de licorne. Oui, c'était bien réel. Jazz a dû leur faire une sabocure. Vous voyez, aujourd'hui, on n'est pas jeudi. Oui, Sunny, on est au courant. Je crois qu'elle déraille, elle aussi. Dis-moi, combien de sabots je lève? Non, aujourd'hui, on n'est pas jeudi. On est Jaldi, J-A-L-D-I. Journée des amis licornes drôles et insolites. Je n'en reviens pas d'avoir oublié. C'est un jour spécial de célébration de l'amitié chez les licornes. Désolée, Seigneur Caramel au beurre. Je n'aurais pas dû avaler toutes ces pâtes. On s'est bien amusé, Seigneur Caramel au beurre. Mais Jaldi n'est pas vraiment complet sans tous mes amis. Joyeux J-A-L-D-I. Ami-lic, ami-lac, ami-fic, ami-fac, ami-go. Oh, alors vous vous en êtes souvenu? Est-ce que ce matin vous avez fait semblant d'avoir oublié? Eh bien, non. On a oublié. On essaye d'apprendre tous les jours spéciaux que fêtent nos amis. Et je crois que nous avons encore des efforts à faire. On est désolé. On sait que tu avais perdu l'esprit. C'est promis. Et d'ailleurs, on s'est dit qu'il était peut-être encore temps de fêter notre propre J-A-L-D-I tous ensemble. Mais vous plaisantez? Je me suis amusée toute la journée et maintenant je peux tout recommencer avec mes meilleurs amis. Mmh. Mmh. Wouhou! C'est le meilleur Jaldi